Yo tout le monde, c'est Biclous pour une nouvelle vidéo sur Uncharted 2. J'espère que vous allez bien. Moi ça va bof. Ça va bof. Je vais vous expliquer tout ça dans l'épisode qui va suivre. Je vais encore raconter ma vie. Hein? Donc voilà. Ouais. Bah allez. Allez, on est parti. Je lance mon chrono. Et on s'est arrêté sur des grenades. I take a grenade for you. Bah pourquoi tu me les donnes pas, connard? Ah oui. Gardez l'œil ouvert. Ils m'ont pas vu? D'accord. Grenade. Oh putain, c'est fou, je couche mal, mec. Puis le mec là-bas, il a rien vu. À gauche. Ah bon? Ah oui, là. Oh putain. Grenade. Bah oh, c'est efficace. Ils arrivent de front. Oh fuck. Je crois qu'il y a des M4 dans le coin. Parce que si j'y vais à la calage, ça n'arrête pas de bouger, c'est chiant. Oh, puis il recharge comme... Même ma grand-mère recharge plus rapidement. Oh, oh. Oh, toi. Non, mais t'as cru quoi, toi? C'est la fête au village ou quoi? Oh, rasage et coupe de cheveux. J'arrive pas à droite. Ah, c'est tellement... Bien joué. Pour une fois qu'un PNJ sert à quelque chose. Allez. Par contre, je vais bientôt être à poil. Merde. Fuck. Là-bas. De loin comme ça, tu crois que c'est... On snipe. Mais mec! J'ai eu un bug. Oh putain. Bon, bah on va faire nos courses, hein. Oui, j'ai vu un West. Un West 44, mais non. Oh, oui. Oh, toi. Ils veulent nous prendre en revers. En revers. Ah, ouais, là-bas. Fuck. Il est très bien ce petit. 4 ennemis Defender là. Qui c'est qui dit le contraire? Il s'approche de moi. Oh, trop. Le pauvre, s'il se fait buter, moi je suis dans la merde. Fuck. Ils sont où? Mais... Attrape ça. Non. Ah si, c'est bon. Ils sont beaucoup trop nombreux, gamin. Pour annuler le lancer. Ah, je savais pas ça. Je m'en rappelais plus. Merde. Je vais faire ce que je peux d'ici. Mais ça tire d'où? Merde. Ah putain sa mère. Mais je vais me remettre là où j'ai dit faire. Sa maman. Où ça? Tiens, bon, tiens. Toi aussi. Ah oh, ça. Ah gna 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 gna. Merde, il est où? Ailleurs. Ah, j'ai pas des... Mais ils ont tous des... Ils peuvent pas avoir des calages comme lui là. Ouais, c'est un brave gars lui. Oh bah tiens, ah, merde. Oh putain. Oh sa merde. C'est compris, c'est des... Indestructible. Oh fuck. Je suis dans la merde. Bah, il tire par balayage. Fuck. Ah, je suis dans la merde. Putain. J'en veux pas de ton indice à la con. Wait. Oui, une grenade. Dans la tour. Elle y est, là. Ça m'étonnerait. Elle y est pas. Ah, si, elle y est. Ah non, il y est pas. Oh mais putain. Allez. Ah non, on est des chiottes. Terminé. Ah, bien joué. Et voilà.
Et comme par hasard, ça nous fait un chemin pour monter là-haut. Comme par hasard. Bon. Est-ce qu'il y a un peu de munitions dans les parages? Ah, bah voilà! Ça, ça fait plaisir. Je vais être full en sortant d'ici, ok? Alors, 4 ennemis defenders, non c'est bon, je suis full. Là. Oui, même dans l'eau, ça marche. C'est la logique d'Uncharted. Même dans l'eau, ça marche. bon alors, voyons ça. Alors, pour tous ceux qui me réclament du Burnout Paradise, même si c'est pas vrai, personne me le réclame, tout le monde s'en fout, j'ai pas d'amis. Vous inquiétez pas, le Burnout Paradise revient demain. Parce que j'attendais juste d'avoir un nombre d'épisodes équivalent pour pouvoir continuer la série Burnout. Donc voilà, voilà. Puis ensuite, je pourrais alterner Uncharted, Burnout, Uncharted, Burnout. Je sais qu'Uncharted ça plaît à quelques-uns. Je le sais, par expérience personnelle, je sais que ça plaît. Et après, voilà. Je fais bien le tour de tout pour voir un peu si j'ai pas raté un trésor, un petit quelque chose. Ouais, c'est bon, je suis fou. Et niveau grenade. I take a grenade for you, for you. Ah là là. Ah là 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 là. Mais je me rappelais qu'il y avait des M4 ici. Je sais pas, ce mauvais souvenir ou je sais pas. Ah bah merci, toi, tu m'as bien aidé. Oh, puis il me laisse passer en plus. Trop de gentillesse. Ok. Y'a pas un singe? Moi j'aime bien les petits singes. Alors. Ah oui, par an. Oh putain, mais mec. Moi je pourrais pas faire ça. IRL, je peux pas. Même à la limite avec la courte échelle, c'est pas possible. Wow, Sully. Regarde ces pierres. Ah, je crois qu'on est sur la bonne voie. Wow. C'est carrément des escaliers. Non. Si. Vous devriez voir ça. C'est un temple. Ouais. Salut. Hein? Tiens. Qu'est-ce qu'on a là? Avec un peu de chance, c'est la dernière demeure de l'équipage de Marco Polo. On devrait peut-être vérifier. Bah allons-y, hein, dans une grotte totalement déserte. Oh, cet endroit doit avoir des milliers d'années. Au moins. Où il fait nuit noire. J'aime bien la nuit, moi. Par en bas. Ah, oh, carrément comme ça. On dirait qu'on a décroché le gros lot. Ah, oh, il doit y avoir des centaines de corps ici. Ah! Regarde leurs dents, elles sont complètement noires. Ah! Merde! Ah! Ils sont tous comme ça. C'est dégueulasse! Ils ont dû venir se réfugier ici pendant le tsunami. Ouais, tu m'étonnes. Puis ils y ont survécu. Ou pas. Bon, y'a quoi? Il doit y avoir des indices par ici. Non, y'a rien. Oula, y'a un passage là. Bon, tant pis. Le jeu me dit qu'il y a rien, donc j'y vais. Oh putain! Hey, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Par ici. Quoi? Ils ont dû faire avancer leur bateau jusqu'ici après le naufrage. C'est de la résine. Encore de la résine. Encore. C'est pas la première fois. Une torche. Sully, la lumière. Wow. Encore une lumière bleue. Ouais. Cool. Attends une minute. Y'a rien par là? C'est du sang. Y'en a partout. Wait. Y'aurait un vrai match. Ça. Okay. Oh ouais, putain. Suivons les traces de sang. Voyons si elles mènent quelque part. Mais ils se sont battus ou quoi? Ou ils se sont fait tuer? Je sais pas. Ça mène vers l'extérieur, toujours autant. Après, je vais essayer vers le coin que j'avais vu tout à l'heure. Ah bah ouais, évidemment. Bah voilà. On dirait qu'elle s'arrête à ce mur. Ouais, c'est bizarre. Bah, il suffit de bouger la pierre. Ça bouge un peu. Sully, aide-moi. Allez, poussons encore alors. Ça m'épuise. Mentalement. Je crois que je me suis blessé. Genre.
mon cul. Ouais. L'épreuve conduit ici. Oh merde, encore des cadavres. Oh mon dieu. Tu sais, je suis peut-être dingue, mais on dirait qu'ils se sont tous entretués. Allez, mec, il t'est juste fait repérer. Oh putain. C'est dégueulasse, c'est une tuerie. Oh la vache. Waouh. Regardez. Qu'est-ce qu'on a là? Attention. Putain de merde. Ah le con. Nate, tu vas me faire une crise cardiaque. Ah le con. Waouh. Waouh, ce truc me file la chair de poule. C'est quoi, une sorte d'arme? Non, non, c'est un purba. Un objet rituel du Tibet. On s'en sert pour braver les obstacles. Hein? Tu vois, des obstacles spirituels. Oh. Attendez. Et ça pourrait pas être de ça que Marco Polo parlait? C'est l'objet du début. Je sais même pas de quoi tu me parles. Dans son carnet, il a écrit que le vaillant pèlerin recevra un passeport en or pour braver les obstacles sur sa route vers Shambhala. Et alors, c'est ça? Bon, c'est très intéressant, mais c'est un passeport pour où, exactement? Cette carte nous aidera peut-être. Fais-moi voir. Entre l'Inde et la province du Tibet se trouve un champ de temples aux finitions exquises, avec des centaines de flèches dorées qui s'étendent à perte de vue. Attendez, je connais cet endroit. C'est au Népal. Ouais. Sauf que ce n'est plus un champ de temples, c'est une ville. Voilà qui va ajouter un peu de piment. Cool. Attendez la suite. Parmi tous ces temples, un seul dissimule le chemin secret vers Shambhala. Genre. Et ce chemin ne sera révélé qu'aux pèlerins qui possèdent le passeport d'or. Waouh. Ok, bien joué, gamin. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Fichons le corps d'ici. Ok. À plus. Ah. Quel con. Il manque une dent. Eh, hey, wait, madame. Je veux bien mater ton cul, mais tu restes derrière moi, ok? Hey! Pourquoi elle avance aussi vite? Je vais m'assurer que la voie est libre. Comme par hasard. Ça pue. Ça pue du cul. Ça pue. Tu me donnes un coup de main, Nate? Ah bon ça. Ah merde. Allez. Mais allez où ma calache? Par ici. Oh la pute. C'est Drake. Mais qu'est-ce que c'est? Les mains en l'air. Ah, oh, tu sais vraiment les choisir. La ferme. Oh la pute. J'aurais dû savoir que c'était toi. Et toi? Quel enculé. Ce vieux Victor Sullivan. Tu trimbales encore ce sac à merde avec toi? Tout nous, Nate. T'as du cran pour un gars qui vient de passer 3 mois derrière les barreaux? C'est toujours mieux que de passer 3 mois à se paumer dans la jungle. Hmm. J'ai trouvé les navires, non? Tu trouverais pas ton cul avec une boussole. Ouh! Il commence à faire mal! Ils sont sortis de là-dessous. Wow. Et regarde ça, Harry. En parlant de cartes... Soit c'est une vraie pute, soit c'est une très bonne comédienne. Le Tibet... Un temple révélera un... Un chemin vers Shambhala. Putain, Flynn, on n'a pas le temps. Bon, allez, sois pas mauvais joueur. Amène-les à Lazarevitch. Oh. Je jure que tu vas regretter la prison. Vilain pas beau. Allez. Oh, cette punchline, quoi. Le cul avec le boussole. Oh, ouais, je m'en souviendrai de celle-là. Oh, putain. Allez, on continue. Oh! C'est une très bonne comédienne, putain. Merde! Tu vas bien? Ouais, bah, comme ça sera plus crédible. Je vais tenter de te faire gagner du temps. Non, Chloé, tu dois venir avec nous. Non. Retrouve-moi au Népal. Ah, oh, ça veut tout dire. Ça veut tout dire, putain. Elle me plaît. Ouais, ça m'étonne pas. Bon, bah, faut courir.
Encore. Chier. Et ils nous ont repérés. Eh merde. Oh putain, 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 putain. Toi, dégage, toi. Non, tu me... T'as rien vu. T'as... Me dégage, hein. Tu me fais chier. Quoi? Ah. Ah non, je croyais... J'allais dire... Merci. Merde, je suis mort. Oh putain. Faut que ça tombe sur moi, ça peut pas tomber sur le vieux crouton, putain. Oh, puis il m'attend en plus. Sur le côté, ouais. Oh, et merde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le saut de la mort. Attends deux secondes, mon pote. Tu réfléchis avant de parler? On va se briser le cou, là. Ouais, mais si on se fait choper, c'est Lazarevitch qui le brisera pour nous. Je deviens trop vieux pour ces conneries. Oh, mec, c'est Dayard, ça. Écoute, je suis moins chanceux que toi. Des gars comme moi doivent savoir quand il est temps de partir en retraite. Sully, on va se sortir de là, ok? On s'en sort toujours. Ouais. Va retrouver ta copine au Népal. Je préfère partir au soleil. Ça va. Hé, hey, tu pourras tout me raconter quand tu rentreras. Ils sont là! Oh, merde. Ouais. Oh. On y va? Après toi, vieux. On va en enfer, gamin. Oh, putain, les dingues. Oh, merde. Oh, putain. Fais chier. Ah, puis ils sont pas morts! Oh la chatte! On est où là? Quand tu disais que Lazarevitch avait un avantage, tu rigolais pas. Il a été aidé par les guérillas locales. Ça faisait des années que la guerre civile couvait. Il lui a juste suffi de jeter un peu d'huile sur le feu. Charmant. Ouais, bref, le chaos qui règne lui permet de détruire la ville à la recherche du bon temple. Mais. Allô? Ouais, je t'écoute. T'as pas changé d'avis, j'espère. Qui, moi? Jamais. Bien, parce que je suis prête à en finir avec ces clones. T'as une carte? Ouais. Oh, puis là, une calache! Au vieux marché. C'est assez calme là-bas. Ok, compris. Oula! C'est pas bon, la compagnie. Oh, génial, tu peux l'aimer? J'ai bien peur qu'il soit déjà trop tard. Tout va bien? Je connais mieux. Merde. Bon, voilà, t'as plus rien, mon gars. Protéger, c'est mort. La protection dans les bagnoles, s'il vous plaît. Chapitre 5, guerre civile. Et ça sera dans le prochain épisode, parce que là, il me reste... Ok, il me reste 2 minutes, mais... J'ai pas trop le temps de gruger. Allez, ça sera pour le prochain épisode. Salut les loups!